Tov et Reftov et Shem Hashem Naase ve Natsliach Shneskel Agdil Torah Ladira ve Shabbat Shalom, puisqu'on est ce soir déjà jeudi soir, le temps passe très 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 vite, le 16 du mois de juillet, le 25, puisqu'on est déjà le soir, le 25 du mois de Tammuz, on s'approche de Rosh Chodesh Av. Bezrat Hashem, qu'on entende que de très bonnes nouvelles, Shiur acheté par Yaakov Mordechai de Genève à Yakar pour l'élévation de son papa Rabbi Avraham, Ben Moshe et Sarah. On étudiera ce soir deux noms, Nissim et Eden, parce qu'on est encore avec les noms. Vous êtes très très nombreux à m'écrire Baruch Hashem, on voudrait tel nom, et on voudrait tel nom, c'est incroyable, c'est Lo Yehuman, c'est... Donc voilà, vous êtes très contents, Baruch Hashem, je suis content de savoir que je vous donne un peu de joie, pas beaucoup, mais en tout cas, ce qu'on peut donner. Et donc, sans plus tarder, Refoua Shlemah, Refoua Merah pour tous les malades d'Israël, la liste est longue, donc on démarre tout de suite le shiur. Et en même temps, Leilou Nishmat Kol Mete Israël, en espérant que de découvrir les noms, donc ce soir, on va faire Nissim et Eden. D'ailleurs, c'est bizarre que tu m'aies donné Eden, Valérie, parce que Eden, c'est un nom de garçon en général. Ah bon? On voit plus de filles s'appeler Eden. On voit, tu sais, si on devait aller ce que l'on voit, il y a plus peut-être de gens qui seraient de droite ou de gauche. Comment on dit Eden en féminin? Edna. Bonne réponse. Donc, si Edna, c'est féminin, qu'est-ce que c'est Eden? Ah. Eden est un nom de garçon. Mais comme tu l'as donné, effectivement, c'est un nom qui est, on va dire, unisexe, dans le sens où il y a beaucoup de filles qui s'appellent Eden, et il y a beaucoup de garçons qui s'appellent Eden. À la base, Eden est un garçon qui est employé. Encore une fois, le seul problème qu'il y a, c'est qu'il y a la culture israélienne et il y a l'hébreu. Et il y a plein de noms qui sont israéliens, mais qui ne sont pas spécialement hébreux. Donc, faire attention un petit peu à ça, et c'est l'occasion d'en parler. Donc, on va commencer avec Nissim. Donc, Nissim est un très, très, très joli nom. On dit Nissim ou Nissim? Nissim. On ne dit pas Nissim, on dit Nissim. Et il y a deux façons d'écrire. Dans la Torah, vous trouverez dans tout le Tanakh 5 fois le mot Nissim. Ça s'écrit Nun, Samer, Yud, Mem. Mais on peut l'écrire aussi, eh ben, c'est encore un truc israélien, Noud, Yud, Samer, Yud, Mem. Donc on peut en faire un nom de 4 lettres, de 5 lettres, pardon, ou en faire un nom de 4 lettres. Il est préférable de rajouter donc, le Yud, c'est mieux d'écrire ici avec un Yud. Donc Noun, Yud, Samer, Yud, Mem. Pour ceux qui veulent écrire comme ça, sinon dans le Tanakh, vous le trouverez sans le premier Yud, c'est-à-dire qu'avec un seul Yud, Noun, Samer, Yud, Nun, Samer, Yud, Mem. Voilà. Donc ce sont des noms, des lettres qui sont composées de, on va prendre tout simplement Nun, Samer, Mem, qui sont un mélange de din et de rigueur. Ce sont des gens qui ont autant de chesed que de colère en eux, on peut dire de rigueur en eux. Ils ont la lettre Yud, qui par contre est Stam Rachamim. C'est-à-dire que ce sont des gens qui aiment faire le chesed, mais qui est rattaché à plusieurs niveaux différents. Il faut savoir que le nom de Nissim a une particularité, c'est que pas tous les Nissim se ressemblent. Ils peuvent être, par exemple, désolé pour l'exemple que je donne maintenant, on peut tomber sur des Nissim qui ne sont pas du tout intéressés par, on va dire, la sexualité, et on peut tomber sur des Nissim qui sont addicts carrément à la sexualité. Donc c'est un nom qui est aussi très pragmatique, ce sont des gens qui sont très calculateur, pas calculateur dans l'intérêt de prendre à autrui des choses, hein, non, qui calculent parfaitement, qui réfléchissent, qui comptent beaucoup sur eux-mêmes, sur la façon de voir les choses, ils aiment bien avoir la plume et la faille en face d'eux, comment je vais m'en sortir, donc j'ai le loyer, donc j'ai tant, donc je vais avoir un trou de temps, donc au bout de 12 mois ça va me faire tant, et si je gagne tant, et si je vais là-bas, je vais plus gagner, donc je vais pouvoir prendre plus grand. Ils sont très, très, très avec cette espèce de machine à calculer parce qu'ils sont très intellectuels. En général, les gens qui s'appellent Nissim sont des gens qui réfléchissent beaucoup, avec beaucoup d'élégance. Et sans plus tarder, on commence avec eux. Il y a le Rav Nissim Yagen, qu'on connaît bien, qui était un Rav rempli de moussard. Nissim est un très très joli nom, Vodai. Alors sans plus tarder, Adam, Sechel Tsaadav Bachim Ose Lehat, Bebitra Begam Shioda Beziviva, Daberet Alav Ke Echad Mishpacha Lehat Lehat Arou Beshelo. Alors ce sont des gens qui évoluent en général, tout le temps, doucement. La différence avec les noms qu'on a vus précédemment, où ce sont des personnes qui sont
très rapides, qui vont directement au but, directement là où ils doivent aller, les gens qui s'appellent Nissim, en général, avancent doucement, doucement. C'est leur façon de faire. Et ils restent sur leur position, en général, quand ils analysent quelque chose. À la différence, c'est qu'ils mesurent tout le temps où ils mettent les pieds, car ils ont besoin de remettre constamment en question chacune des étapes dans lesquelles ils arrivent. Chaque station dans lesquelles ils arrivent, ce ne sont pas spécialement des prises de tête, mais ce sont des gens qui vont calculer toujours le pour et le contre de cette nouvelle situation dans laquelle ils ont évolué et avancé dans leur vie. Tsoed ou Poel Beose, Bekatsav, Beketsev, Shelo. Donc ce sont vraiment des gens qui ne se laissent pas spécialement influencer par le courant de l'humanité. Ils avancent à leur rythme, avec leur vision des choses, leur façon des choses. C'est vraiment, je ne vais pas dire un homme qui est marié avec lui-même, mais ce sont des gens qui sont très harmonieux avec eux-mêmes, parce qu'ils ont un mélange. On a vu que la majeure partie des lettres de Nissim sont des noms qui sont mélangés avec le Din et le Chesed, et on peut dire que dans ce domaine, ils sont très équilibrés entre le côté valeur du Chesed et le côté valeur de la justice. Ce sont de très bons éducateurs en général, ils sont assez proches de leurs enfants, mais toujours la même chose, comme les gens vont souvent plus vite qu'eux dans leur démarche, dans leur façon de penser, eh bien, ils les laissent partir en disant, eh bien, vis tes expériences, moi, je n'ai pas le temps de te rattraper dans tes folies. C'est très bizarre, cette façon d'être, mais en tout cas, eux, ils vont vraiment à leur rythme. Donc, si vous rencontrez un garçon qui s'appelle Nissim, très bon personnage, mais sachez que s'il avance à une croisière de vitesse, on va dire, de 60 nœuds, ce ne sera pas 80 nœuds et ce ne sera pas 40 nœuds. C'est sa vitesse à lui, il faut monter sur son bateau pour pouvoir vivre heureux en général avec les gens qui s'appellent Nissim, parce qu'ils ne supportent pas qu'on les stresse, qu'on les presse ou qu'on les ralentisse quand ils sont sûrs de ce qu'ils ont à faire. C'est pour ça que tout de suite, à travers ce côté très calme et très élégant de leur personne, ce sont des personnes qui ont une très belle approche en général de la vie, vous avez tout de suite quelqu'un qui va vous dire « Non, pas du tout, ça ne m'intéresse pas, je me retire du projet, je me retire tout de suite. » Ils n'ont pas de problème d'agir en conséquence. Pourquoi ? Parce que ça ne leur convient pas. Quand ça avance trop doucement, ça les met dans une espèce de panique intérieure. Ils vont pas perdre le contrôle. Ils vont recommencer ces calculs à savoir de qui, que, quoi, dont, lequel. Et si ça va trop vite, ça les angoisse parce qu'ils ont peur de ne pas contrôler la situation. Ce sont des gens qui ont besoin de contrôler absolument tout ce qu'ils font, eux, dans leur vie. Ce qu'il y a de bien, par contre, chez eux, c'est qu'ils vont pas calculer la vie des autres. Ils sont sur eux-mêmes, ils calculent leur propre vie. Certains ont un peu d'ailleurs au nom de Ishai, mais un peu différent quand même, un peu différent. Be'arben osim b'chaim omed al shelo b'akshanut dola ibli lenasot lekabel me'et afecha b'chevra. Ce sont des gens qui ne sont pas du tout influençables. Ils écoutent, mais ils restent sur leur position, leur façon de penser, car pour eux, ils ont peur que les gens qui vont penser à leur place ou les conseiller n'ont pas vu tout ce qu'eux sont capables de voir parce qu'ils ont un esprit assez éclairé dans tous les domaines. Ce sont des gens qui sont très, très... Par exemple, ils vont regarder tout de suite sur Internet une situation. Ils ne vont pas se laisser influencer si on leur dit quelque chose. Si, par exemple, le domaine animalier ou sur le domaine de la Torah ou sur le domaine professionnel, ce ne sont pas des gens qui se laissent acheter facilement par la parole. C'est tout de suite faire des enquêtes, vérifier si toi, tu as bien compris, si ceci et cela, mais ils vont rester sur leur position parce qu'ils vont dire, bon, en fin de compte, par rapport au pourcentage, c'est pas comme tu dis, bon, si tu es trompé sur ça, trompé sur le reste, je reste sur ma position. Mais ils sont très têtus en général. Donc, ce sont quand même des gens qui sont assez sûrs d'eux, malgré le fait qu'en réalité, ils ont très peur de poser les pieds à chacune des stations. Pourquoi ? Parce que justement, ils ont besoin de garanties pour avancer. Ce sont des gens qui sont constamment à la recherche de garanties, ils sont prêts à payer pour avoir des garanties. C'est-à-dire que si ils doivent payer pour avoir quelque chose et être sûr que ça va aboutir, c'est les premiers à agir en conséquence. Ils ont besoin de garanties, ce qui fait que les gens qui s'appellent Nissim doivent travailler principalement leur Emouna, pas shoot. Ils doivent travailler particulièrement leur Emouna. J'aime Sherverim et Irim Letova. Et même s'ils ont des amis en qui ils font totale confiance, ce sont aussi des gens qui aiment la vie, qui aiment les restaurants, qui aiment les sorties, qui aiment le sport en général. Ou Makshiv et Chavero, Ach Nishar Bechelo, ce sont des gens qui n'ont pas de problème à écouter ce que les autres ont à dire, mais qui disent toujours, bon, enfin, les conseillers ne sont pas les payeurs, ce qu'il me dit est bien gentil, mais moi, je n'ai pas envie de galérer ce qu'il est en train de me dire pendant tant de temps, et après, ça va aller. Non, il faut que ça aille depuis le début. Donc, ce ne sont pas des gens téméraires dans l'absolu. Vraiment, à d'autres noms. Les gens qui s'appellent Nissim ne sont pas tellement téméraires. Ils sont plutôt calculateurs pour être certains d'aboutir à leur projet.
Ils ont du mal à accepter les opinions des autres, mais par contre, ils ont toujours la sagesse de les écouter. Donc d'un côté, ils t'écoutent, mais c'est un petit peu « parle avec mon dos ». Adam Kitsoni Beyoter, on peut trouver donc chez les Nissim. Alors ça, une fois de plus, c'est ce que je vous ai dit. Nissim, les Nissim ne se ressemblent pas tous. C'est où vous tombez sur des Nissim qui sont extrêmes dans tout, mais vraiment à l'extrême dans tout, ou des Nissim nonchalants dans tout. C'est très bizarre cette façon d'être. C'est où le mec, il n'a rien à faire de rien. Attends, l'éducation des enfants, le truc, le bidule, ouais, bon, moi, c'est pas grave. Ou alors, eh ben non, tu peux pas sortir, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Ça peut même étouffer. D'où l'équilibre à trouver. Achimazman, Kshemit Gaber, n'y est pas toi. Grâce au temps et à sa vieillesse, il finit par s'ouvrir et à comprendre qu'il existe autre chose que sa façon à lui de voir les choses. Vignoter, Velomed, Liot, Betsura, Chiyuvit. Et il doit apprendre, chose qui est très positive pour lui, d'être beaucoup plus positif dans sa vision des choses et de voir les choses du meilleur côté. Mitraber, Mitkacher, Yoter, Nechevra, quand il se lie un peu plus au sein de la société, parce qu'une fois de plus, tu as des Nissim qui sont complètement implantés dans la société et tu as des Nissim, Robinson, Crusoé. Donc c'est encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure avant de commencer, les gens qui s'appellent Nissim ne se ressemblent pas forcément. Tu peux avoir ou ça, puisque c'est un mélange de din et de chesed. Donc, ça dépend où ils vont aller. Ve'av zocher gam le mazal ve'atzlacha bechol akashur le chomer ve'tzura. Ce sont des gens qui réussissent particulièrement bien, qui ont un mazal en tout ce qui touche au monde matériel, donc on travaille avec leurs mains, aussi bien intellectuel ou des formes, tout ce qui touche au côté artistique. Ça peut être de très bons comédiens, entre autres. Adam imri gishut me'od gdolim. Ce sont des gens qui ont une énorme sensibilité intérieure. Omeatz gourim, et bizarrement qui restent fermés, c'est-à-dire qu'ils vont éviter de trop montrer leur sensibilité, donc ils savent se refermer. Vetzarir imazma levate ou levate. Et ce sont des gens qui doivent apprendre à ne pas trop garder à l'intérieur et quand ça ne va pas, être capable d'en parler. Le problème qu'il y a, c'est que quand ils t'en parlent, il faut que tu comprennes ce qu'eux ont compris. Mais grâce à la Torah, s'ils se mettent à étudier la Torah, alors ils font de grandes nissim veniflaot. Ils arriveront vraiment à comprendre des choses et compléter avec leur savoir le savoir des autres, ce qui les rendrait beaucoup plus riches. C'est-à-dire que les nissim doivent souvent se mettre à la place des autres pour mieux les comprendre et en même temps la fienne et zele atzmam, c'est-à-dire l'inclure en eux. Ok. Et machesh betocho bepnimiuto, et donc faire part aussi de ses convictions personnelles. Adamim otzma veicholet. Ezra et Tsatova, ce sont des gens qui ont une forte personnalité en général, ils savent ce qu'ils veulent, ils ont les pieds sur terre, ils ont un baiser Shumbaya, ils savent aussi donner de très bons conseils, ils ont la tête sur les épaules, et Chol Asviva et Chol Anotal, Anotel Mimeno et Tsaroe, Bezé, Bracha et Atzlacha. Les gens qui s'appellent Nissim, ce nom-là veut dire miracle. Nissim, il est toujours bon de prendre des conseils de personnes religieuses qui s'appellent Nissim. En général, leurs conseils apportent de la réussite et de la bénédiction à retenir. Adam, Mehod, Mehanien, ce sont des gens particulièrement intéressants à étudier. Les gens qui s'appellent Nissim, en général, ne sont pas des gens qui te laissent indifférent. Ils ont toujours quelque chose d'assez intéressant dans leur vie. Shilouv, Shel Chochma, Etza, car ils sont un mélange d'intelligence, de conseils, de réussite, de mazal, carrément. Letza, Dakshanut, Vamida, Etena, Itna, Bezgoura, qui ont cette particularité, donc on a dit d'être très têtus, ou alors ils peuvent passer à l'opposé extrême, fais ce que tu veux. Ils peuvent très vite se mettre en colère quand les choses vont à l'opposé total de ce qu'ils pensent au niveau de l'éducation. Ils peuvent se mettre vraiment très vite en colère contre les enfants s'ils voient que ça devient du n'importe quoi, entre autres. Dans le travail, pareil. À la différence des autres, les gens qui s'appellent Nissim, quand ils se mettent en colère, restent sous le contrôle de leur intellect, ce qui est extrêmement rare. Pourquoi ? Parce que quand on est en colère, on perd justement son intellect. Lui, il contrôle sa colère. Donc si vous avez un Nissim qui vous dit ces quatre vérités parce qu'il est en colère, c'est vraiment ce qu'il pense. Ce sont des gens qui
n'aiment pas trop les épreuves et qui considèrent que leur vie est souvent empreinte de beaucoup d'obstacles et une vie très très difficile. Kachim, ach, tzarich lirot gam et kol adevarim atovim shenasu ito, Hachem. Et donc, ils devraient se concentrer. C'est vrai qu'ils ont des épreuves, comme tout le monde, mais les gens qui s'appellent Nissim ne doivent pas oublier que s'ils ont des difficultés dans le domaine santé, financier, famille et autres, ils doivent voir aussi combien, grâce à Dieu, ils ont acquis de choses, combien ils ont vécu de choses, combien tout ce vide qui est autour d'eux a été empreint de plein et que Akadosh Baruch Hu les a gâtés. Donc, à eux de s'efforcer de voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Hashem af pam lo shocher oto vetamid ba leizrato ou bakashato. Ce sont des gens qui, même dans les grandes difficultés, verront toujours des miracles venir pour eux en dernière seconde. Les gens qui s'appellent Nissim, Akadosh Baruch Hu finit toujours par les relever. Vegam zochel mazal ve'atzlacha. Il insiste beaucoup sur cela, en expliquant que le nom Nissim est un nom de réussite et de mazal. Tzarich lenatzel et haotzma ve'yicholet shehashem noten biyado la'azor. Et il faut savoir qu'ils ont le devoir d'utiliser cette bénédiction du ciel où Dieu les bénit par rapport à leur nom et de le mettre au service divin. Et de servir le plus son peuple, quand on s'appelle Nissim. Imze ba'avoda. Et quand ils se mettent à servir les intérêts des autres, de la société, du peuple d'Israël, Bezrat Hashem, ils voient encore plus de miracles venir taper à leur porte. Imze ba'avoda, que ce soit aussi bien dans le travail, dans la famille, vechavirim, afilu rechokim, même les gens qui sont loin, les korvam, les derech Hashem, anechona, v'aptucha, v'etza tova, v'ezra, v'geshmid, v'ruchanit, v'chen, margish, sipuk, v'zuchel, l'arich, et atzmo, karaoui. Et Bezrat Hashem, quand ils voient de la réussite, aussi bien au niveau de leur famille, la société, le travail professionnel et autres, ils arrivent enfin à être saméach et heureux, parce que ça leur fait toujours plaisir de savoir qu'ils ont été utiles à la société, d'où le nom au pluriel. On ne dit pas Nes, on dit Nissim, qui veut dire celui qui porte les miracles en eux. Et ils ont cette particularité de pouvoir porter beaucoup de bonnes choses au sein du peuple d'Israël. Voilà ce que nous enseigne ici, plus ou moins ce nom. Donc, des gens agréables à vivre, si je fais un résumé, des gens qui peuvent être de très bons papas, d'excellents maris, Baruch Hashem. Une fois de plus, les caractères principaux chez eux, ce sont des gens en général très intellectuels, très pragmatiques, très calculateurs dans leur façon de vivre chaque sou, chaque chose. Ils réfléchissent beaucoup car ils n'aiment pas l'échec, ils ont beaucoup de mal avec les échecs, ça leur fait. Donc si je peux me permettre de revenir sur ce point-là, s'ils ont 60% de bien et 40% de noir, ils vont se concentrer sur justement cette difficulté du noir qui n'aurait pas eu lieu d'être, j'ai mal fait les choses, mince. Voilà. Et c'est dommage, parce que d'abord, vois les 60% de bien, vois Baruch Hashem où tu en es, vois comment tu as évolué. Et ça, il l'oublie très vite face à la difficulté, et c'est dommage. Donc ce sont des gens qui peuvent être d'un côté extrêmement têtus, et en même temps, ils ne se fient en général que leur intellect à eux personnel. T'as beau leur donner des conseils, non, regarde, tu peux faire comme ça, et tu peux faire comme ça, ils vont t'écouter, ah ouais, c'est intéressant. Puis dès que t'as raccroché, hop, ils se donnent rendez-vous avec eux-mêmes. Alors, c'est extraordinaire parce qu'ils arrivent très vite à se rencontrer, et ils font les pour et les contre, et puis en fin de compte, toute cette heure passée au téléphone avec eux aura servi absolument à rien. Car s'ils estiment qu'il y a le moindre risque, qu'ils risqueraient de engendrer d'autres risques, c'est pas des gens téméraires. C'est pas des gens qui vont foncer en disant, si le parachute ne s'ouvre pas de toute façon, j'aurai un miracle. C'est-à-dire que ce sont des noms qui portent le nom du miracle, mais ils ne comptent pas du tout sur le miracle. Chose à faire pour eux, mamache, travailler beaucoup leur émouna, être avec Hachem, parce que Dieu est avec eux. C'est à eux d'être avec Akadosh Baruch Hu. Voilà. Question sur le nom d'Issim ? Yofi. On passe au nom de Eden. Eden. Très, très joli nom. Moi, personnellement, j'adore ce nom. Ça commence avec la lettre Aïn. Alors Aïn, on est dans les Din Verachamim, mélange, Nun, Din Verachamim, Dalet, Oh, bonté absolue. Donc les filles ou les garçons qui s'appellent Eden, au centre de leur vie, ont une bonté incroyable, ils peuvent donner, dès qu'ils aiment, dès qu'ils sentent. Eden, il faut savoir que ça veut dire justement Madanim, c'est-à-dire... Non, Gan, c'est jardin. Eden, c'est paradis, c'est le cas de le dire. C'est vraiment des gens qui sont très agréables, des gens qui sont assez cool à vivre,
c'est vraiment des gens bien. Alors, il faut savoir que Eden, donc on l'a dit tout à l'heure, est un nom en général de garçon. Il est utilisé aussi pour les filles, car le féminin de Eden, c'est Edna. Donc, il faut rajouter le « et » pour qu'il soit productif. Mais aujourd'hui, on rencontre beaucoup de filles qui s'appellent Eden. Et justement, les filles qui s'appellent Eden auront toujours un côté un peu mec en eux, automatique. Ils ont un côté masculin qui peut s'exprimer avec un côté, justement, donc les filles qui s'appellent Eden ont besoin d'un homme très charismatique. Elles ne supporteraient pas du tout un garçon qui est trop faible. Elles ont besoin d'un homme qui leur rappelle que ce sont des femmes et avec qui elles peuvent vivre leur équilibre de femme, leur féminité. Elles ont besoin de vivre leur féminité, sinon elles peuvent devenir un peu masculines dans le sens où elles sont très vite indépendantes, n'aiment pas demander en général, mais ça va être chutzpanit s'il le faut. Pas de problème pour demander garde des enfants, amène-moi, ramène-moi. Elles sont assez ouvertes, elles disent ce qu'elles pensent. Donc ils disent, quand je dis elle ou il, c'est la même chose puisque l'on s'adresse filles et garçons, même si Edna c'est un peu différent. Mais ce sont des gens qui savent très bien s'exprimer, très intellectuels, qui apprennent très vite. Ils ont une faculté extraordinaire d'être, de réussir en général leur examen. Ils sont bons, à la condition où eux aussi ont un petit truc. Ils ont besoin de vivre une belle histoire d'amour. C'est pour ça qu'on dit « Kegan Eden Mikedem », comme le jardin paradisiaque d'avant. Quand on marie un couple, on parle de Eden. Vous avez 15 fois son nom dans le Tanakh, Eden. Et puis sans plus tarder, on va commencer notre livre. Et puis en même temps, si vous avez des questions, vous agirez en conséquence. Donc, en général, ce sont des gens qui sont assez sains physiquement. Au niveau de l'âme, qui sont plutôt bien équilibrés. En général, leur corps, comme on l'a dit donc, est en bonne santé. Au Baruch Hashem, Kimad ve'enacholé. En général, ce ne sont pas des gens qui connaissent la maladie. Donc, Eden est un antidote, parce que c'est le Gan Eden. Donc, c'est un nom qui est antidote contre les maladies, lutte très bien contre les maladies. Begam im kara ve chalta ou matzlicha leitgaber bechokortea pnimim. Et donc, ils ont des anticorps assez forts, qui fait que même si elle tombe malade ou autre chose, elle se relève assez vite de sa faiblesse intérieure et aussi morale. Leitrapot bemeirut ve larzor lebriyuta. Donc elles retrouvent très vite la santé et reprennent très vite le cours de leur vie. Yeshba meshicha leinanim refuah ruchanit vegashmit. Ce sont des âmes, des personnes qui s'appellent Eden, qui ont une attirance particulière pour ce qui est, en fin de compte, tout. Il dit le domaine médical, ils adorent. Spirituel, ils adorent. Le monde matériel, ils adorent. Les voyages, ils adorent. Le côté Aladdin sur le tapis volant avec son compagnon ou sa compagne, puisqu'on parle de Eden. Ils adorent, mais en même temps, très concentrés sur l'avenir, très les pieds sur terre. Ce sont des personnes qui, en général, apportent une bonne... on aime bien se trouver avec des gens comme eux. Ils sont souriants, ils sont sympathiques en général. Donc, on dit ici, on est au féminin. Elles apprennent de toutes choses. Elles s'intéressent en général à tout. Elles n'hésitent pas à poser des questions et savent, par contre, contrairement à beaucoup d'autres, savent écouter et resurenchérir avec de très bonnes questions pour être certain de bien comprendre de quoi est-ce que l'on parle. Elles savent même faire semblant de s'intéresser à ce que va dire une personne juste pour lui donner de l'importance. Donc ce sont vraiment des paradis à fréquenter, Baruch Hashem. Par contre, elle a une particularité, donc les filles qui s'appellent Eden, ou les garçons qui s'appellent Eden, ce sont de très 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 grandes curieuses. Donc on va parler au féminin pour... c'est-à-dire, avec votre permission, on va tout mettre au féminin, mais vous vous retrouvez... Hein. Olam haregesh apnimi shela me'od gadol, extrêmement, extrêmement sensible de l'intérieur, mais carapacé par ce côté masculin. Vekimat mikol davar katan ivgaad venelevet miyad, ce qui fait que les moindres réflexions ou les moindres choses qui la piquent l'humilient et elle se sent tout de suite touchée par les remontrances des autres. Ou les pics que l'on lui fait. Elle est très intelligente, elle sait très bien que ça s'adresse à elle, et elle ne comprend pas pourquoi tu l'agresses. Pourquoi, d'après toi? Eh bien parce que les filles qui s'appellent Eden feront attention de ne pas vexer les autres. Donc je te fais pas de mal, pourquoi tu m'en fais? Je comprends pas. Moi je te souris, je t'ai dit bonjour, j'essaie d'être agréable, je dis qu'il y a un truc qui va pas, je dis viens, c'est toi, on en parle, et toi tu me rentres dedans. Donc elle se renferme tout de suite.
elle se renferme tout de suite. Et quand on a une fille qui s'appelle Eden, si vous êtes marié avec, n'oubliez pas ce que je vais vous dire maintenant, quand une fille qui s'appelle Eden se renferme, ça veut dire tape à la porte et viens me voir, je ne suis pas bien. Ça veut dire que c'est une fausse carapace. Ne l'oubliez pas. Hagam, chez les Klapechout, l'Omar Azot, même si d'extérieur, donc, elle se carapace et ne donne pas l'impression de montrer réellement, Arbetor, Tocha, Margisham, Ot, Pegua. Et même si, combien même, on lui dit, ah, je rigole, je vois pas ce que je te dis parce que tu es devenue un peu grosse ou tu l'as chérie sur un truc qui va pas, elle fait d'extérieur que c'est bon, je rigole moi aussi, tu as de l'humour, alors qu'à l'intérieur, elle ne comprend pas où est l'humour. Elle ne comprend pas en quoi c'est marrant et encore plus pourquoi tu ferais les autres sur mon compte personnel. Donc elle ne supporte pas du tout ce genre de conduite qu'elle estime être très gamine. Parce que les filles qui s'appellent Eden sont des filles qui sont très vite matures. Très vite. Elles ont à l'âge de 20 ans la maturité d'une autre fille de 25 ans. Elles grandissent très vite. Tov, lokarzman, rava, tcheshochachat, mise, ma'inyan. Et elle n'oublie pas facilement les blessures qu'on lui inflige à travers toutes sortes de réflexions inappropriées. Car quand c'est approprié, elle va simplement te dire « Ok, pourquoi tu me le dis comme ça ? Tu aurais pu me le dire différemment. » Mais elles savent se remettre en question. « Tavachat shalokachat et achaim beretzinut » Ce sont des filles sérieuses, qui prennent la vie au sérieux, qui prennent les responsabilités qu'on leur donne très au sérieux. « Lamrot shepoelet veosa akol bechashiva benenut nechona » Même si, en toute réalité, ce sont des filles qui réfléchissent parfaitement pour mener à bien chacune de leurs missions. Quand on leur donne quelque chose, elles réfléchissent assez longuement avec. Elles peuvent manquer des fois d'assurance, mais elles vont vite apprendre pour justement acquérir l'assurance nécessaire pour évoluer. Tov ma'asid velokachat chariyut ba'ometz vegvura. Ce sont des filles qui n'ont pas peur de prendre des responsabilités avec courage et avec rigueur. Al kol ma sheosa tor kedei yecholet manigut lena'elt hakol, qui peuvent devenir donc des directrices très vite de société, de prendre de responsabilités, d'être une très bonne comptable ou expert comptable, il n'y a pas de problème avec ça, car elle le prend avec beaucoup de sérieux. Et le travail, les vacances, l'amour, c'est l'amour, manger, c'est manger. Elle cadre chaque chose dans son univers. Il ne fait pas de mélange. Tzourach Kula, Beat Madak, Dola, Betova, avec bien entendu toujours en général une bonne ambiance et une Atmada, c'est-à-dire elle est régulière, quoi. Elle revient sur ce qu'il faut. Elle arrête tout de suite. Elle n'a pas de problème de dire c'est pas pour moi, j'arrête, ça me saoule. Pas de problème. Tov, mitor iyun marshava amuka, à travers une situation où elle se mettra à analyser profondément chaque sujet, même en profondeur. Tamun ba'yecholot ve'kishurim ruchanim gvoim me'od. Et il faut savoir que pour rendre une fille qui s'appelle Eden heureuse, il faut lui raconter des histoires de profondeur. Même voire de Kabbale au niveau de la Torah. Elle adore tout ce qui touche au secret de la Torah. Mystique. Elle aime le mystique, elle aime comprendre les choses dans les profondeurs, elle n'aime pas trop les pshats, le côté historique extérieur ne l'intéresse pas trop. Elle aime qu'on lui parle des profondeurs parce qu'elle estime beaucoup la spiritualité et n'aime pas qu'on en fasse une petite histoire marrante. Pour elle, le côté pshat de la Torah, c'est bien, mais elle sait de façon naturelle et instinctive que ça va beaucoup plus loin. Et donc, elle attend de celui qui lui parlera Torah qu'il vienne lui dévoiler quelques secrets auxquels elle s'attend, parce qu'elle aime beaucoup les secrets de la Torah. Asher Tzricha, les Fatecham, elle aime aussi les énigmes, entre autres, les Galotam, ou Natslam, Torkedei, Shtadlut, Vatmada, Birde, les Afitzam, Betoch, Achevra, Vassia, Ruchanit, Gedola, Vachazaka. Et elle n'a pas de problème de retransmettre d'ailleurs tout ce qu'elle apprend, aussi bien dans le domaine matériel que spirituel, au sein de la société. C'est une fille qui n'a pas de problème de parler, elle sait s'entendre en général avec tout le monde, elle ne fait pas de sélection riche, pauvre, grand, petit, directeur ou simple ouvrier. Elle n'a pas du tout ce côté-là en elle. Yesh Devarim Shebahem, Yakshanit Gedola, elle peut devenir par contre pour certaines causes une très très grande têtue, très 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 têtue. Qu'elle ne bougera pas de sa décision, même si on vient lui montrer par A plus B qu'elle a tort, eh bien, elle peut rester sur ses décisions pendant de très 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 longs moments. Ce qui est dommage pour elle, car elle sait écouter quand elle le veut, et elle doit travailler ce côté têtu de sa propre personne pour devenir un peu plus souple. Parce que les filles qui s'appellent Eden, des fois, manquent de souplesse.
aussi bien au niveau de l'esprit que de leur façon d'agir. Faire attention. Kachela lazouz memamadada, donc elle a du mal des fois à sortir de ses propres décisions, parce qu'elle se fait maintenant confiance plus qu'aux autres, ou alors qu'elle a peur de ne pas être compris par les autres, dans ce qu'elle, elle ressent, dans son extrême sensibilité, ce qui est très gênant. Donc si vous voulez parler avec une fille qui s'appelle Eden, la première des choses à lui dire avant de commencer la discussion, c'est « Je comprends parfaitement ta souffrance, ta douleur, ton angoisse, cette injustice que tu as subie. » D'abord, commence par la comprendre pour qu'elle puisse changer d'abord par la suite d'avis. Mais si tu ne la comprends pas, elle va t'écouter et elle va te dire « Ok, salut, c'est bien. Laisse-moi tranquille, c'est mieux. » Et elle devient dure. « Ah, tu ne t'as l'achatz rav me abayt » ce qui peut provoquer une tension à la maison, dans l'atmosphère, « Oba mishpacha » ou lieu sein même de la famille, « Tor kedeas asbara nechona chozeret l'atma » jusqu'à ce qu'une discussion enfin ait lieu qui remette clairement les choses à leur place et d'un coup, tout va bien. Très bizarre. « Chaval » et c'est dommage pour ce temps de « je fais la tête, je m'enferme, je vais me débrouiller, c'est pas grave, je vais m'arranger. » Il suffisait simplement de sortir et dire « Oh, il y a besoin d'une discussion, il faut qu'on en parle. » En général, elles le font quand elles ont beaucoup de Torah en elles, de beaucoup de spiritualité, mais elles peuvent très vite aussi prendre une direction de s'enfermer. Ce qui fait que quand une fille s'appelle Eden et qu'elle a de l'argent, si ça ne fait pas la maison une fois, deux fois, trois fois, c'est tout son appartement, tranquillo, c'est le part. Même pas qu'on lui casse les pieds. « Kerbe pa'amim zenovea migaava psula » Et malheureusement, d'où est-ce que ça vient cette akshanout? Ils nous disent ici, ça vient du fait qu'elle a une pellicule d'orgueil qui n'a pas lieu d'être en elle. Parce qu'elle est assez intelligente pour tout arranger avec la douceur et n'a pas besoin de se carapasser dans cette espèce de « bon, laissez-moi tranquille, je vais m'arranger ». Elle n'a pas besoin de ça. Parce qu'on estime que dans ce nom-là, il y a une pellicule d'orgueil qui n'a pas lieu d'être, qui est pas soule, donc impropre. C'est pour ça que les filles qui s'appellent Eden doivent travailler essentiellement leur humilité. Et comme elles aiment et elles ont besoin d'une maison paisible, ce sont des filles qui aiment la musique, qui aiment les paysages, qui aiment l'art. Ce sont des filles qui ont beaucoup de qualités. Elles aiment tout ce qui est shalva, et bien des fois, il faut qu'elles apprennent aussi à l'obtenir avec un peu plus d'humilité, et elles auront plus de résultats. Yesh pa'amim sheportim olim ba'kol minim metachim ve'kassim pni'im klaplei ha'sovevim. Il peut lui arriver de se mettre, par contre, à cause de ses blessures intérieures non soignées ou non exprimées, une colère intérieure incroyable où elle va commencer même à juger les autres, carrément, okay, à travers de la colère intérieure, même vis-à-vis de son entourage. Quitte à couper les ponts s'il le faut. Mais tout comme elle se met vite en colère, elle sait vite reprendre ses esprits par la suite. Et même s'il faut se renouer de shalom, elles n'ont pas de problème de redonner une chance. Ce sont des filles qui peuvent devenir très très vite extrêmes dans le domaine du travail, dans le domaine de la maison, dans le domaine de tout. Elles peuvent passer à l'extrême, ok. Ce qui est des fois apprécié par l'entourage et ce qui est des fois saoulant vis-à-vis de l'entourage. Mais une fois de plus, ce sont des gens qui peuvent arriver à avoir des gens qui les haïssent et même qui les jalousent de leur façon d'être. Les chol aderer poalat sheiosa, surtout le chemin qu'elles empruntent, vi atzma soredet, bematzavi v'chikashim, matzlicha latzet mikol abayot v'akshayim v'tzura tova, lelo shum nezek obaya. Ce sont des filles qui, quand elles se retrouvent, ou des garçons, dans des difficultés assez importantes, finissent toujours par s'en sortir sans trop de dégâts ni de problèmes. Mama shelo avana ech litzlicha liksod lisrod ve'atzlacha. Elles peuvent même s'étonner sans avoir d'explication de comment elles ont pu sauver leur shlom bayit, l'éducation des enfants, le domaine professionnel, alors que tout le monde était renvoyé, elle va être gardée, ou autre. Betamid yeshba, elles s'en sortent toujours. C'est un nom de réussite. Donc elle finit toujours par s'en sortir en général. Yeshba argasha, shebesofo shel davar yetov lamrot hakol, et elles ont une philosophie incroyable qui est naturelle chez elles de dire, en fin de compte, au bout du rouleau, je sais que tout est pour le bien.
Akol Yetov. Donc une Israélienne, tu entendras dire souvent Yetov, parce qu'elle le pense vraiment. C'est leur côté très positif qui les rend justement charmantes au sein de la société. Zeshem, Jekra, Hashem, Ir, Maala, Ashur. Et il dit ici qu'on retrouve ce nom-là aussi à propos d'une ville dans la région de Ashur. Voilà plus ou moins ce qu'on avait sur le nom de Eden. Oui. Zo. Très beau nom. Très beau nom, vraiment. Juste si tu peux rappeler, est-ce que c'est le prénom qui fait la personne ou c'est la personne qui a... Alors... Tu voulais parler juste un petit peu de Edna. Non. Si, si, il y a, c'est juste en dessous, mais... Non, j'ai... Quand on vient au monde, on vient avec une... Quand on vient au monde, on dit Mazel Tov, l'enfant est né, tout ça. Mais l'enfant qui vient au monde, il vient pour un tikkun. Il vient parce qu'il se réincarne. On est tous des réincarnations, sachez-le, vous êtes tous des réincarnations. C'est-à-dire que si on était capable de savoir la vraie réalité de ce monde, on pourrait aller prier sur la tombe du corps précédent dans lequel on était. Comme l'enseigne le Baal Shem Tov. Et nous, on n'a pas les yeux pour voir, on ne comprend rien, on est né du jour de notre naissance, mais c'est où ? Donc on vient avec un tikkun. On va venir avec des midot, on va venir avec des données, comme une puce informatique, si vous préférez. Et l'alliage des lettres qui vont former notre nom est envoyé du ciel. Ce qui fait ce qui veut dire que Eden n'est pas ce qu'elle est parce qu'elle porte ce nom, mais parce qu'elle est née comme elle est née, du ciel, on lui a donné le nom de Eden. Ça veut dire à quoi correspond la programmation de ce qu'elle est. Dans le monde d'en haut, ça fait Aïn Dalet Nun. Donc, c'est ce qu'on va envoyer sur Terre. En d'autres termes, ce n'est pas le nom qui fait de toi ce que tu es. C'est ce que tu es qui va faire en sorte que Dieu va te donner ce nom. Parce que le nom est envoyé du ciel. Donc, les noms ne sont surtout pas des fatalités. Par contre, c'est vrai qu'on apprendra que quand on change de nom, d'ailleurs, on ne change pas de nom, on rajoute un nom. Par exemple, ça bloque pour X raisons. Une fille qui s'appelle Eden qui a du mal à avoir un enfant, elle rajoute le et elle deviendra Edna. Parce que le « et » ouvre la possibilité d'avoir plus d'enfants. D'accord ? Donc, mais le « et », ça rajoute aussi une autre guématria. Ça rajoute aussi une autre dimension. Donc, une fille qui va avoir encore plus de chesed, puisqu'il y a le « et » dedans. Oui ? Donc, il y a le « dalet » et le « et » qui sont « chassadim gmurim ». Donc, chesed absolu. D'accord ? Mais, ça devient aussi... En général, les filles qui s'appellent Edna sont des filles qui sont très midatadines. Les filles qui s'appellent Edna sont beaucoup plus midatadines que les filles qui s'appellent Eden. Oh là là, bizarrement. Parce qu'elles ont un chesed en elles qui est tellement grand. Les filles qui s'appellent Edna sont tellement des filles qui rendent service, qui se sacrifient pour les autres, que de l'autre côté, elles détestent se faire avoir, ce qui donne une rigueur extrême à beaucoup de choses. Ce sont des filles qui sont vraiment... Edna, tu as aussi le mot, comme on voit chez Eden, Din, Dan, juge. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure d'un orgueil qui est un peu pas saoul. C'est que les filles qui s'appellent Edna, comme Eden, doivent beaucoup travailler leur humilité. Et avoir plus confiance en Dieu que dans leur jugement personnel. S'en remettre beaucoup plus à l'étude. C'est pour ça que, encore une fois, comme je le dis dans beaucoup de noms, impératif pour toutes les juives et les juifs de lire des biographies de nos chachamim, car c'est de l'eau dans le feu intérieur de nos doutes et de notre mal de vivre. Voilà, on va s'arrêter là. Dimanche soir, si Dieu veut. Il y aura un live avec Déborah Amar Ayekara, quelque chose où je lui donne une bonne réfoua Shlema et tous les bonheurs du monde, à elle et à toutes les bdotes d'Israël, Bezrat Hashem, pour un bon zivoug et tout ce que vous désirez. Et donc ce sera sur le mal de vivre, ou je ne sais pas quoi, des questions sur le sujet de la société et le mal de vivre qu'on est en train de traverser à travers la débauche, à travers la tristesse, le désarroi dans lequel se retrouve aujourd'hui la société humaine, on peut dire dans tous les pays, pas que pour le peuple d'Israël, même si on sait qu'à la fin, Akol, Letova, Leman, Am Israël. Ce sera ? Sur la perte des valeurs. Sur la perte des valeurs. Voilà. Donc apparemment, on aura une question-réponse sur ce sujet-là avec le Dachem dimanche soir. À 9h30 ou 9h, heure israélienne. 9h, heure israélienne. À 21h en Israël ? Alors à 21h en Israël. Voilà. Baruch Adonai, l'olam amen, v'amen, Shabbat shalom, et à demain pour un prochain shiur sur la paracha. Kol tov.